remercie de votre accueil. Primeramente, muchas gracias por vuestra acogida. De la sympathie rencontrée. Por toda la simpatía que estoy encontrando. Et pour répondre rapidement à votre question. Y para responder rápidamente a tu pregunta. Il faut dire une chose très simple. Hay que decir algo muy sencillo. Dans l'univers, tout est dédoublé. En el universo, todo está desdoblado. Particules. Partículas. Galaxies. Galaxias. On est même en train de chercher à l'heure actuelle un univers double. Se está buscando actualmente un universo doble. Pourquoi l'homme échapperait-il à cette loi? Porque el hombre se escaparía él a esta ley. Une particule se dédouble pourquoi? Una partícula por qué se desdobla? Pour pouvoir donner une information dans un autre temps. Para poder dar una información en otro tiempo. À une particule qui essaye d'avoir une rapidité d'exécution. A una partícula que intenta tener una rapidez de ejecución. Alors qu'est-ce qu'il faut faire nous pour ce système-là? ¿Qué tenemos que hacer nosotros pues en este sistema? Sommes-nous en dehors de ce système? Estamos nosotros fuera de ese sistema? Pour vivre, il faut vivre dans trois temps différents. Para vivir tenemos que vivir en tres tiempos diferentes. C'était connu même du temps de Platon. Se conocía esto incluso en el tiempo de Platón. Qui parlait de trois temps pour survivre. Quien hablaba de los tres tiempos para sobrevivir. Pour avoir l'éternité. Para tener la eternidad. Il y a un autre docteur de la loi. Y hay otro doctor de la ley. Très connu. Muy conocido. Qui nous a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Que nos dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Qu'est-ce que ça signifie? ¿Qué significa eso? Si ce n'est la recherche de l'immortalité. Si no es la búsqueda de la inmortalidad. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques. No voy a entrar en detalles científicos. Il faut reconnaître une chose essentielle. Pero hay que reconocer algo esencial. On nous fait croire que nous sommes au service de la science. Nos hacen creer que estamos al servicio de la ciencia. Nous sommes la science. Y nosotros somos la ciencia. Toutes les lois nous servent. Todas las leyes nos sirven. Elles sont en nous. Están en nosotros. Et une loi essentielle. Y una ley esencial. C'est que le temps, la propriété du temps. Es que el tiempo, la propiedad del tiempo. Est enfin connu. Por fin se conoce. Et n'est pas appliqué. Y no se aplica. À savoir. Es decir, deux temps perceptibles sont toujours séparés par un temps imperceptible. Dos tiempos perceptibles siempre están separados por un tiempo imperceptible. Vous ne percevez pas le temps tout le temps. No percibís el tiempo todo el tiempo. Ça y est, c'est prouvé par l'imagerie médicale. Ya está probado eso por la imaginaria médica. Mais en dehors de ça. Pero aparte de eso. À quoi servent ces temps imperceptibles? ¿Para qué sirven esos tiempos imperceptibles? On sait que l'énergie dans l'infiniment petit. Sabemos que hay energía en lo infinitamente pequeño. Est donnée par des quantas d'énergie. Que la energía está dada por cuantas de energía. Elle n'est pas continue. No es continua. À quoi sert cette discontinuité? ¿Para qué sirve esa discontinuidad? D'autre part, on sait scientifiquement aussi. Por otra parte, también sabemos científicamente. Que dans ces temps imperceptibles. Que en esos tiempos imperceptibles. Une particule dispose d'une énergie infinie. Una partícula dispone de una energía infinita. À quoi ça sert? ¿Para qué sirve? Une énergie infinie dans un temps nul. Una energía infinita en un tiempo nulo. Sauf si le temps n'est pas nul. A menos que el tiempo no sea nulo. C'est-à-dire si je peux changer ma perception du temps. Es decir, si yo puedo cambiar mi percepción del tiempo. Et voilà quelque chose qui révolutionne la science. Y aquí algo que revoluciona la ciencia. Je suis obligé de faire intervenir. Estoy obligado de hacer intervenir. L'observateur. El observador. De l'univers. Del universo. De quel univers? Pero qué universo? On sait qu'on n'observe presque rien dans l'univers. Sabemos que no observamos prácticamente nada en el universo. On sait qu'il y a une masse invisible. Sabemos que hay una masa invisible. On appelle ça une masse noire. Llamamos a eso masa oscura. On a appelé ça aussi l'énergie noire qu'il y a entre la masse réelle et la masse noire. Llamado también energía oscura que está entre la masa real y la masa oscura. On sait que ça existe. Se sabe, sabemos que existe. Ce n'est pas observable. Pero no es observable. Alors on essaye de trouver pourquoi. Entonces se intenta buscar el porqué. Et par définition, pero por definición, il y a une partie du temps qui n'est pas observable. Hay una parte del tiempo que no es observable. Alors à quoi ça sert? Entonces, ¿para qué sirve? Dans notre vie de tous les jours, à quoi ça sert? En nuestra vida diaria, ¿para qué sirve? L'anticipation. La anticipación. L'intuition. La intuición. L'instinct de survie. El instinto de supervivencia. La prémonition. La premonición. Pouvoir avoir un potentiel de vie. Poder tener un potencial de vida. Comme les potentiels des particules.
como los potenciales de las partículas, plusieurs potentiels à notre disposition, varios potenciales a nuestra disposición, dans un temps nul, en un tiempo nulo. C'est-à-dire que chaque fois que vous pensez quelque chose, es decir, que cada vez que pensáis en algo, dans un temps nul, en un tiempo nulo, immédiatement dans une autre réalité, inmediatamente en otra realidad, s'effectue la conséquence de cette pensée. Se lleva a cabo las consecuencias de ese pensamiento. Et cette réalité qui va fabriquer les potentiels, y esa realidad que va a fabricar los potenciales, va se poser des questions, va a hacerse preguntas, avoir des réponses, va a tener respuestas, dans un temps qui pour nous n'existe pas, en un tiempo que para nosotros no existe. Et la réponse qui nous provient en dernier, y la respuesta que nos llega a nosotros, elle arrive en même temps que notre question, nos llega al mismo tiempo que la pregunta, mieux même, y mejor todavía. Notre question est dans l'inconscient. Nuestra pregunta está en el inconsciente. Nous ne savons même pas que nous avons commencé à penser. Ni siquiera sabemos que hemos empezado a pensar. Que 0,5 secondes avant de le savoir. Que 0,5 segundos antes de saberlo. Notre cerveau le sait. Nuestro cerebro ya lo sabe. Et dans notre réalité à nous. Y en nuestra realidad. Nous nous posons une question. Nos hacemos una pregunta. Nous avons une envie, un désir, un souhait. Y tenemos un deseo o ganas de hacer algo. Car nous obéissons à l'information que nous avons reçue. Porque obedecemos a la información que hemos recibido. De cette réalité qu'a fabriqué notre futur. De esa realidad que ha fabricado nuestro futuro. Dans un temps qui n'existe pas. En un tiempo que no existe. Et nous sommes donc les marionnettes. Y somos pues marionetas. De ce temps-là. De ese tiempo. Alors la question qui se pose. La pregunta que hay que hacerse pues. Est-ce que je ne serai pas aussi dans ce temps-là? No estaría yo también en ese tiempo. Car si je peux me dédoubler comme n'importe quelle particule. Porque si yo me puedo desdoblar igual que cualquier partícula. Comme n'importe quelle étoile. Como cualquier otra cosa. Comme n'importe quelle galaxie. Como cualquier estrella, como cualquier galaxia. Et quand j'ai trouvé cette théorie. Cuando yo descubrí esta teoría. Il y a plus de 25 ans. Hace ahora más de 25 años. Dans la galaxie, on considérait qu'il y avait 2% d'étoiles doubles. En la galaxia se consideraba que había un 2% de estrellas dobles. Maintenant, hoy en día, l'exception dans la galaxie, la excepción en la galaxia, est de l'ordre de 1 à 2%. Es como de 1 a 2%. Tout est dédoublé. Todo está desdoblado. Vous voyez un peu le changement brutal de l'observation. El cambio brutal de la observación. Alors, on ne sait pas pourquoi. Entonces, lo que no se sabe es por qué. Voilà une autre nouvelle que donne la théorie du dédoublement. Esta es otra noticia que da la teoría del desdoblamiento. Ce dédoublement est cyclique. Este desdoblamiento es cíclico. Il dure 25 920 ans. Dura 25.920 años. Ça correspond au cycle de précession des équinoxes. Corresponde con el ciclo de precesión de los equinoccios. Est parfaitement observé. Que está perfectamente observado. Mais qui n'avait jamais été justifié. Pero que nunca había sido justificado. Et en voyant, en observant les explosions solaires du siècle dernier, y observando las explosiones solares ocurridas en el siglo pasado, j'ai pu démontrer, yo pude demostrar, que nous vivions la fin du cycle de dédoublement des temps, que estábamos viviendo el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos, que les anciens qui connaissaient ça, que los antiguos que conocían bien esto, appelaient plus simplement fin des temps, llamaban de manera más sencilla final de los tiempos. Rien à voir avec la fin du monde. Que no tiene nada que ver con un final del mundo. Alors, voilà une chose qu'il faut absolument étudier. Y hay aquí una cosa que debemos de estudiar absolutamente. Pendant tout le XXe siècle, on nous a dit la pensée n'est pas énergie. Durante todo el siglo XX nos han dicho que el pensamiento no es energía. Parce que si la pensée était une énergie. Porque si el pensamiento fuera una energía. On sait par Einstein. Sabemos por Einstein. Une énergie correspond à une masse. Que una energía corresponde con una masa. Vous n'avez jamais vu quelqu'un perdre de la masse. Nunca habéis visto a alguien que pierda masa. Parce qu'il pensait. Porque piensa, ¿no? Ça se saurait. Se sabría, ¿no? Surtout dans le milieu politique. Sobre todo en el medio político. Ça c'est pour voir si vous suivez. Es para ver si estáis a la escucha. Donc, on a dit la pensée n'est pas énergie. Entonces, se dijo que el pensamiento no es energía. Bon, plutôt que de dire pensée, disons échange d'informations. En vez de hablar de pensamiento, hablemos de intercambio de informaciones. Car des échanges d'informations dans des temps imperceptibles. Hay intercambio de informaciones en tiempos imperceptibles. Ne ressemble pas à une pensée consciente. No es un pensamiento consciente.
Alors si je commence à penser quelque chose, entonces si yo empiezo a pensar en eso, j'envoie une information dans un autre temps, envío una información en otro tiempo, je perds de la masse, pierdo masa, immédiatement, pero inmediatamente, dans un temps imperceptible, en un tiempo imperceptible, l'énergie me revient sous forme de réponse, la energía me retorna de manera de respuesta. Donc il y a équilibre. Hay pues equilibrio entre la perte de masse, entre la pérdida de masa et le gain de masse, y la ganancia de masa. C'est parfait. Es perfecto. Ça marche comme ça pendant 25,000 ans. Funciona de esta manera durante 25,000 años. Et à la fin du cycle. Y al final del ciclo. Et là, nous vivons une période de transition. Y ahora estamos viviendo un período de transición. Qui a commencé par la quatrième explosion solaire du siècle dernier, en 1989. Que empezó por una explosión solar en el siglo pasado en 1989. Tout le monde, sans exception, todo el mundo, sin ninguna excepción, a accès au potentiel fabriqué par l'humanité pendant 25,000 ans. Tiene acceso a los potenciales fabricados por la humanidad desde hace 25,000 años. Rendez compte du pouvoir qu'il y a en nous. ¿Os dais cuenta de la fuerza que hay en nosotros? Je veux quelque chose. Yo quiero algo. Je l'ai immédiatement. Lo obtengo inmediatamente. Il y a une énergie qui me la donne. Hay una energía que me la da. Quand on ne sait pas comment ça fonctionne, cuando no sabemos cómo funciona, on utilise cette énergie sans savoir. Utilizamos esa energía, pero sin saber. Si je pense quelque chose, si yo pienso en algo, je fabrique le potentiel. Fabrico el potencial. Imaginez que je pense à tuer ma belle-mère. Imaginaros, pienso en matar a mi suegra. Ça m'énerve un peu. Y me pone nerviosa igual, ¿no? Bien sûr, je ne vais pas la tuer. Claro que no la voy a matar. Je l'aime bien. Ay, yo amo a mi suegra. Mais j'ai pensé à tuer. Pero he tenido un pensamiento de pensar en matar. Le potentiel est là. El potencial ya está ahí. Disponible. Disponible. Il y a quelqu'un en Syrie qui tue quelqu'un. Y hay alguien en Siria que va y mata a alguien. Et moi devant la télé. Y yo delante de mi televisor. Je dis qu'est-ce que c'est que ce djihadiste. Digo, pero que este djihadista qué malo, ¿no? Mais c'est moi le responsable. Pero es que soy yo el responsable. J'ai fabriqué le potentiel. Porque he fabricado el potencial. Lui ne fait que l'actualiser. Él tan solo lo que hace es actualizarlo. Comme les particules. Igual que las partículas. Qui sont en intrication par les potentiels. Que están en intrication debido a los potenciales. Ce djihadiste est en intrication avec moi. Ese djihadista está en intrication conmigo. Par l'intermédiaire d'un potentiel. Por la intermediación de un potencial. Vous vous rendez compte de la force. Os dais cuenta de la fuerza. Alors, il y a un théorème. À une théorie, il y a toujours un théorème. Entonces, hay un teorema. Cuando hay una teoría, siempre hay un teorema. La théorie du dédoublement de l'espace et du temps, il y a un théorème. La teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, hay un teorema. Qui est connu depuis la nuit des temps. Conocido desde la noche de los tiempos. Ne pense pas à faire à autrui. No pienses en hacer al prójimo. Ce que tu ne veux pas qu'autrui pense à te faire. Lo que no quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Et si tu es dans cet état d'esprit, y si estás en esa manera de pensar, fais ce que tu veux. Haz lo que quieras. Et vous voyez comment ce théorème a été remplacé. Y veis de qué manera este teorema ha sido sustituido. Par un faux théorème. Por un falso teorema. Et ce faux théorème est le suivant. Y ese falso teorema es el siguiente. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. No hagas al prójimo lo que no quieras que él te haga a ti. Et pense ce que tu veux. Pero piensa lo que quieras. C'est comme ça que le monde va mal. Es de esta manera que el mundo va mal. L'acte. El acto n'est pas créateur. No es creador. L'acte est la conséquence de l'actualisation d'un futur potentiel. El acto es la consecuencia de la actualización de un futuro potencial. Chaque fois que vous pensez, cada vez que pensáis, vous fabriquez un futur potentiel. Fabricáis un futuro potencial. Celui qui le mémorise, aquel que lo memoriza, peut vivre cette conséquence. Puede vivir esa consecuencia. Cette mémorisation est instantanée. Esa memorización es instantánea. Ça nous donne l'impression d'une intuition. Eso nos da la sensación de una intuición. Ou si c'est un danger, d'une prémonition. Y si es un peligro, de una premonición. Mais ce qu'on ne sait pas, pero lo que no sabemos, c'est que je peux changer ce futur. Es que yo puedo cambiar ese futuro. Immédiatement. Inmediatamente. La prémonition est faite pour justement pouvoir changer. La premonición está hecha para eso, para poder cambiar el futuro. L'intuition, c'est pour savoir s'il y a des dangers. La intuición es para saber si hay peligros. Donc il faut apprendre à utiliser l'intuition. O sea que hay que aprender a utilizar la intuición. Et regardez une chose sensationnelle. Y ver una cosa sensacional. Celui qui pourrait voir le futur.
Aquel que pudiera ver el futuro. On appelle ça les voyants. Llamamos a esos videntes. Ils voient un futur. Ven un futuro. Dangereux. Peligroso. Il peut vous dire, on va tout arranger. Y esa persona te puede decir, lo vamos a arreglar todo. S'il connaissait la loi. Si él conociera la ley. Du dédoublement du temps. Del desdoblamiento de los tiempos. Il dirait, on va changer le futur. Él diría, vamos a cambiar el futuro. J'ai vu que vous alliez vous faire mal. He visto que te ibas a hacer daño. Et que le jour de Noël, vous seriez à l'hôpital. Y que el día de Navidad estarías hospitalizado. Les deux jambes cassées. Con las dos piernas rotas. Alors, le jour de Noël, vous êtes heureux de recevoir vos amis. Y entonces, el día de Navidad, estás feliz de recibir a tus amigos. De dire, allez voir ce voyant, il est merveilleux. Y les decís, id a consultar a este vidente, es fantástico. Il m'avait dit que j'aurais les deux jambes cassées le jour de Noël. Me dijo que el día de Navidad tendría las dos piernas rotas. Il m'a dit, on va s'arranger. Pero me dijo, mira, nos vamos a arreglar. On va changer le futur. Vamos a cambiar el futuro. Et regardez. Y miradme ahora. Mes jambes sont pas cassées. Mis piernas están bien, no están rotas. Qui irait voir un tel voyant? ¿Quién va a consultar a un vidente que haga esto? Personne. Nadie. Pourtant, c'est ce que faisaient les anciens. Sin embargo, esto es lo que hacían los antiguos. On étudiait le futur avant de le vivre. Se estudiaba el futuro antes de vivirlo. Regardez maintenant ce qui se passe. Ved lo que ocurre hoy en día. Vous allez voir un voyant et il vous dit le jour de Noël j'aurai les deux jambes cassées. Vas a ver a un vidente que te dice el día de Navidad tendrás las dos piernas rotas. Qu'est-ce que vous êtes heureux le jour de Noël? Qué feliz estás el día de Navidad. À l'hôpital. En el hospital. Les deux jambes cassées. Con las dos piernas rotas. De recevoir vos amis, la famille. Recibiendo a la familia y amigos. Dire, allez voir ce voyant. Y les decís, id a consultar a ese vidente. Est merveilleux. Es fantástico. Il m'avait dit que je serais comme ça. Me dijo que estaría de esta manera. Regardez, je souffre. Y ved cómo sufro. Il avait raison. Tenía razón. Or, ce potentiel est disponible. Y ese potencial está disponible. Pour ne pas souffrir. Para no sufrir. Pour vivre le meilleur futur possible. Para vivir el mejor futuro posible. Et comment vivre le meilleur futur possible? ¿Y de qué manera vivir el mejor futuro posible? Théorème. Teorema. Bien connu. Muy conocido. Il y avait un scientifique qui s'appelait Jésus. Hubo un científico que se llamaba Jesús. Il disait ça il y a 2000 ans. Decía esto hace 2000 años. Ne pense pas à faire à autrui. No pienses en hacer al prójimo. Ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire. Lo que no quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Un autre. Sept siècles plus tard. Siete siglos después. A disait la même chose. Decía lo mismo. Il s'appelait Mohamed. Se llamaba Mohamed. Aime pour ton frère ce que tu voudrais que ton frère aime pour toi. Ama para tu hermano lo que quisieras que tu hermano amara para ti. Pareil. Es lo mismo. Et avant Jésus-Christ. Y antes de Jesucristo. Vous en avez un autre scientifique. Hubo otro científico. Il s'appelait Bouddha. Que se llamaba Buda. Ne cherche pas des réponses à des questions que tu ne te poses pas. No busques respuestas a preguntas que no te realizas. La loi du juste milieu. La ley del justo medio. Tout cet enseignement venait d'où? Toda esta enseñanza de dónde venía? Était connue. Era conocida. Était connue. On a une trace d'un évangile de Thomas. Tenemos trazas de un evangelio de Tomás. Apôtre de Jésus. Apóstol de Jesús. Qui a été retrouvé en Éthiopie. Dans les années 40. Que fue encontrado en Etiopía en los años 40. De quand vous étiez un, vous avez fait le 2. Cuando fuisteis uno, hicisteis el 2. Quand du 2 vous ferez le 1, que ferez-vous? Y cuando del 2 volváis a hacer el 1, ¿qué haréis? Quand vous ferez le masculin comme le féminin. Cuando hagáis lo masculino como lo femenino. L'intérieur comme l'extérieur. Lo interior como lo exterior. Et que vous serez un. Y que seréis uno. Que ferez-vous? ¿Qué haréis? Donc voilà un évangile d'un apôtre de Jésus. Et ahí pues un evangelio de un apóstol de Jesús. Qui a été supprimé au 5e siècle après Jésus-Christ. Que fue suprimido en el siglo V después de Jesucristo. Qu'on a retrouvé. Que se ha encontrado de nuevo. Pourquoi on ne parle pas du dédoublement depuis? ¿Por qué no se habla del desdoblamiento desde entonces? Pourquoi? ¿Por qué? Parce que il y a deux choses. Porque hay dos cosas. Si tout le monde peut avoir accès au futur. Si todo el mundo puede tener acceso al futuro. Qui va avoir raison? Qui va avoir? Qui va avoir raison? ¿Quién va a tener razón? Il faut une hiérarchie. Hace falta una jerarquía. Avant la explosion solaire de 1989. Antes de la explosión solar de 1989. Qui ouvrait tous les potentiels disponibles. Que abría todos los potenciales disponibles. Tout le monde n'avait pas accès à ces potentiels. Todo el mundo no tenía acceso a esos potenciales. Y a certains étaient capables. Pero algunos eran capaces. Car les informations sont distribuées par les mouvements planétaires. Porque las informaciones están distribuidas por el movimiento planetario.
Alors il y a des robinets qui se ferment ou qui s'ouvrent. Entonces hay grifos que se abren y se cierran. L'information passe ou ne passe pas. L'information pasa o no pasa. Scientifiquement, le mouvement de dédoublement permet de comprendre comment ça marche. Científicamente, el movimiento de desdoblamiento permite entender este funcionamiento. Mais de maintenant, les robinets sont grands ouverts. Pero y hoy en día los grifos están abiertos completamente. Donc maintenant, il faut faire très attention. Hoy en día tenemos pues que tener muchísimo cuidado. Dès que vous pensez quelque chose qui fait du tort à quelqu'un, en el instante que pensáis algo que hace un daño a alguien, vous devenez responsable de celui qui va actualiser ce futur. Os volvéis responsables de aquel que va a actualizar ese futuro. Alors quoi faire? ¿Qué hago pues? Contrôler sa pensée tout le temps. Controlar mi pensamiento todo el tiempo. Impossible. Es imposible. Impossible. Regardez la télé. Mirad la tele. Vous ne contrôlez plus votre pensée. No controláis vuestro pensamiento ahí. Vous pensez immédiatement à faire du tort à quelqu'un. Pensáis inmediatamente en hacer un daño a alguien. Ne serait-ce qu'en disant du mal de quelqu'un qui n'est pas là. Solo sea hablando mal de una persona que no está presente. Donc la solution paraît difficile. La solución pues parece difícil. Mais pourquoi ce dédoublement du temps? Pero ¿por qué este desdoblamiento del tiempo? Ne nous permet-il pas d'être immortel? ¿No permitiría eso ser inmortal? Si c'est une machine à avoir de bonnes intuitions. Si es una maquinaria para tener buenas intuiciones. De bons instincts, l'anticipation. Instintos, anticipaciones. Pourquoi? ¿Por qué? Alors c'est ce que j'explique, justement, je n'ai pas le temps là, en si peu de temps de vous expliquer tout eso ça. Eso es lo que explico aquí, no tengo tiempo de explicaros en detalle. Donc j'essaie de parcourir un peu le monde pour expliquer ça. Intento recorrer un poco el mundo explicando esto. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué ocurre? Ben pour nous, nous avons la possibilité de dire. Nosotros tenemos la posibilidad de decir. Une phrase semblable à celle que disait Jésus. Una frase parecida a la que decía Jesús. Qu'on a enfermé dans des tas de dogmes. A quien se encerró en muchísimos dogmas. Mais la loi est simple. Pero la ley es sencilla. Ne pense pas faire à autrui. No pienses en hacer al prójimo. Etc. Etc. Et il disait, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Y él decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Et tout le monde savait à cette époque-là. Bah, on écoute ça. Y todo el mundo conocía eso en esa época y se escucha. Parce que nous, comment nous sommes? Porque nosotros cómo somos. Et nous. On peut dire la même chose. Nosotros podemos decir lo mismo. Nous sommes dans le Père. Estamos en el Padre. Dans le sens que nous avons un double créateur en nous. En el sentido que tenemos un doble creador en nosotros. Mais à la différence de Jésus. Pero a diferencia de Jesús. Nous pouvons dire. Podemos decir. Le foutoir est en nous. El gran lío, el gran jaleo está en nosotros. Et le but de la vie. Y el objetivo de la vida. C'est de venir sur terre. Es el de venir a la tierra pour arranger le futur potentiel dont nous sommes responsables. Para arreglar el futuro potencial del cual nosotros somos responsables. Alors nous pouvons l'arranger. Y tan solo lo podemos arreglar. Avec notre double. Junto con nuestro doble. Dont nous vivons le futur. Del cual vivimos el futuro. Nous fabriquons par notre vie le futur de notre double. Fabricamos a través de nuestra vida el futuro de nuestro doble. Et notre propre futur. Y nuestro propio futuro. Nous sommes sur terre pour l'arranger. Estamos en la tierra para arreglarlo. Et nous passons notre temps par nos pensées à déranger notre futur. Y a través de nuestros pensamientos pasamos nuestro tiempo molestando el futuro. Car nous ne savons pas que nous venons sur terre pour arranger le futur. Porque no sabemos que hemos venido a la tierra para arreglar el futuro. Et comment faire? ¿Y qué hago? ¿Cómo hacer eso? C'est très simple. Pues es muy sencillo. C'est très simple. Es muy sencillo. Il suffit d'aller dormir. Basta con irse a dormir. Et pendant la nuit, y durante la noche, notre double va arranger notre futur. Nuestro doble va a ir a arreglar el futuro. Et nous nous réveillons. Y nos despertamos. Notre futur est arrangé. Nuestro futuro está arreglado. Et comme nous pensons, pero claro, como pensamos, nous fabriquons un futur. Fabricamos de nuevo un futuro. Et nous redérangeons le futur. Y volvemos a molestar un futuro. Parce que personne nous a appris ça. Porque nadie nos ha enseñado esto. Car en fait, si nos pensées dérangent un futur, porque de hecho si nuestros pensamientos molestan un futuro, et que nos nuits les arrangent, y que nuestras noches los arreglan, est-ce que c'est automatique? Porque es automático. Et non. Pues no. Pour que nos nuits servent à quelque chose, para que nuestras noches sirvan para algo, il faut savoir s'endormir. Hay que saber cómo quedarse dormido. Qui a dit ça le premier, écrit ça le premier? ¿Quién escribió esto en primer lugar? Ce n'est ni un philosophe. No es ni un filósofo. Ni un homme politique. Ni un político. C'était un mathématicien.
Era un matemático. Mais à l'époque, les mathématiciens étaient aussi philosophes. Pero en aquella época, matemático era también filósofo. Dans le sens grec du terme. En el sentido griego del término. Aimer la sagesse. Amar la sabiduría. Et il s'appelait Pythagore. Se llamaba Pitágoras. 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. 7 siglos y medio antes de Jesucristo. Pythagore disait. Pitágoras decía. Ne t'endors pas. Nunca te quedes dormido. Sans avoir contrôlé ton endormissement. Sin haber controlado tu adormecimiento. Sinon ta vie ne sert à rien. Sino tu vida no sirve para nada. C'est beau ça. Es bonito, ¿no? Qui apprend ça aux enfants? ¿Quién enseña esto a sus hijos? On peut être inquiet dans un pays comme les États-Unis. Podemos sentirnos muy intranquilos en un país como Estados Unidos. On fait des statistiques. En donde llevan estadísticas. On est inquiet du suicide des enfants. Están muy inquietos debido a los suicidios entre los niños. Et en plus du suicide des enfants à 8 ans. Y además de suicidio de niños con 8 años. En France, vous pouvez venir, il n'y a pas de suicide. En Francia podéis venir, no hay problema, no hay suicidios. Y a rien. No hay nada, no hay nada esto en Francia. Pourquoi les suicides d'enfants de 8 ans? ¿Por qué suicidios entre los niños de 8 años? C'est très important. Es muchos, hay Je mucho. Ne sais pas si au Mexique on fait des statistiques. No sé si en México se llevan estadísticas de ello. C'est très très important. Pero hay muchos. La réponse est très simple. La respuesta es muy sencilla. Pendant 7 ans, l'enfant est protégé. Durante 7 años, los 7 primeros años de su vida, el niño está protegido. Son double est omniprésent. Su doble está omnipresente. Et il arrange tous les futurs. De l'enfant. Y arregla todos los futuros del niño. L'enfant n'a aucune responsabilité dans le futur pendant 7 ans. El niño no tiene ninguna responsabilidad en el futuro durante 7 años. Alors il faut lui apprendre à devenir adulte. Entonces, luego hay que enseñarle a hacerse adulto. Une loi très simple. Una ley muy sencilla. Quand est-ce que tu es adulte? ¿Cuándo eres adulto? À 7 ans. A los 7 años. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa eso? Au passage, c'était connu de toutes les traditions. Dicho de paso, estará conocido por todas las tradiciones antiguas. Les chrétiens ont fait la première communion. Los cristianos lo cambiaron por la primera comunión. Mais sans trop savoir pourquoi. Transforman todo ello, ¿por qué? On avait déjà perdu l'information. Porque ya se había perdido la información. Il faut lui dire, regarde. Hay que decirle, mira. Tout ce que tu penses. Todo aquello que piensas. Fabrique un futur. Fabrica un futuro. Tu vas le vivre. Que vas a vivir. Ou tu le fais vivre à quelqu'un. O lo vas a hacer vivir a alguien. Pendant que tu es enfant, mientras eres niño, ton double arrange ça toutes les nuits. Tu doble arregla todo ello cada noche. Zéro responsabilité. Cero responsabilidades. Mais à 7 ans, pero cuando cumples 7 años, tout ce que tu penses, todo aquello que piensas, fabrique un futur, fabrica un futuro, et ce futur tu peux le vivre, y ese futuro tú lo vas a poder vivir, ou le faire vivre à quelqu'un, o lo vas a poder hacer vivir a alguien. La responsabilité est énorme. La responsabilidad es muy grande. Et qu'est-ce qui se passe? ¿Y qué es lo que ocurre? À partir de 7 ans, l'enfant est perdu. A partir de los 7 años, el niño se siente perdido. Il ne comprend plus la vie. Ya no... Dès que vous pensez quelque chose, en el instante en que pensáis en algo, vous avez à votre disposition tout le futur correspondant. Tenéis a vuestra disposición todo el futuro correspondiente. Et attention. Pero cuidado. Si vous pensez à quelque chose de dangereux, si pensáis en algo peligroso, c'est fabriqué. Está fabricado. Et n'importe qui peut le vivre. Y cualquiera va a poder vivirlo. Et je deviens responsable de ce n'importe qui. O sea, pues yo me vuelvo responsable de esa otra persona. Qui à son tour va fabriquer des choses dangereuses. Quien a su vez va a fabricar cosas peligrosas. À cause de moi. Por causa mía. Et je deviens responsable de ceux qui vont vivre de ces choses dangereuses. Y yo me vuelvo responsable de aquellos que van a vivir esas cosas peligrosas. Où ça s'arrête? ¿Dónde se para eso? On est responsable de tout le monde. Somos responsables de todo el mundo. Alors évidemment, quand on voit des personnes qui viennent ici, cuando vemos pues a personas que vienen aquí, qui essayent de comprendre, que intentan entender, qu'il y a une force monumentale, que hay una fuerza enorme, dans le fait de ne faire de tort par notre pensée à personne. En el hecho de no hacer ningún daño a través de nuestro pensamiento a nadie. On s'aperçoit que c'est difficile. Nos damos cuenta que es difícil. Mais au moins réservons ça pour la nuit. O sea que por lo menos reservemos eso para la noche. Si dans la journée je dérange le futur. Si durante el día yo molesto al futuro. Et c'est très facile. Y es muy fácil. Dans la nuit arrangeons notre futur. Por la noche arreglemos nuestro futuro. Le double qui est en nous. El doble que está en nosotros. N'attend que ça.
Espera solo eso. Nous sommes sur terre juste pour ça. Estamos en la tierra tan solo para eso. Il faut le faire avant la fin du cycle de dédoublement du temps. Y debemos hacerlo antes del final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos. C'est pour ça qu'on s'est pas pressé avant. Es por eso que antes no nos hemos dado prisa. Mais là, depuis un siècle. Pero ahora, desde hace un siglo. Regardez, on est passé de 1 milliard à 7 milliards. Hemos pasado de 1000 millones a 7000 millones de habitantes. Là aussi, ça s'explique. Y eso también se explica. Au niveau de l'information. A nivel de la información. Alors, ma conclusion scientifique. Mi conclusión pues científica. Très simple. Muy sencilla. Pendant 25000 ans, les hommes ont pensé n'importe quoi. Durante 25000 años los hombres han pensado cualquier cosa. De temps en temps, ils étaient aidés par des gens qui venaient. De vez en cuando eran ayudados por personas que venían aquí. Qui les guidaient. Y que les guiaban. Et il y en a un spécial. Y hubo uno especial. Que tout le monde connaît. Que todo el mundo conoce. Car il était dans les trois temps. Porque él estaba en los tres tiempos. La Trinité. La Trinidad. Ça vient de là, viene, trois temps. Viene de ahí, de los tres tiempos. Et qui est venu nous dire ce qu'il fallait faire. Y que viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Tout simplement. Muy sencillamente. Et nous ne sommes pas capables de faire ça. Y nosotros no somos capaces de hacer eso. Je vous ai dit pourquoi. Ya os he dicho el porqué. Nous ne sommes que dans deux temps. Porque estamos solo en dos tiempos. Et nous venons sur terre pour arranger le troisième. Y venimos a la tierra para arreglar el tercero. Et personne ne le sait. Y nadie lo sabe. Alors au niveau énergie. Au niveau énergie. A nivel energía pues. Vous pensez quelque chose. Pensáis en algo. Vous ne voulez pas le vivre. No queréis vivirlo. Parce que ce que vous pensez fait du tort à quelqu'un. Porque lo que estáis pensando hace daño a alguien. Donc ça vous fait du tort. Eso os hace daño pues también a vosotros. Ça veut dire que vous ne récupérez pas l'énergie que vous donnez. Significa que no recuperáis la energía que dais, que enviáis. La perte de masse. Pérdida de masa. N'est pas compensée par un gain de masse. No está compensada por la ganancia de masa pues. Alors le corps. Ce déséquilibre est permanent. Entonces el cuerpo se desequilibra, ese desequilibrio es permanente. Alors on s'aperçoit que certaines personnes. Y nos damos cuenta pues que ciertas personas. Qui surveillent mieux leurs pensées. Que vigilan mejor sus pensamientos. Vivent mieux. Viven mejor. Tout simplement vivent mieux. Sencillamente es que viven mejor. Mais à la fin du cycle des temps. Pero al final del ciclo de los tiempos. Il y a ce déséquilibre des potentiels. Está ese desequilibrio de los potenciales. Et la Terre va équilibrer. Y la Tierra va a equilibrar. Toute la planète. Todo, la planète s'équilibre. Todo el planeta, la planeta se equilibra. Avec le système solaire. Con el sistema solar. Pour récupérer de l'énergie. Para recuperar la energía. Et comment la Terre récupère de l'énergie? ¿Y de qué manera la Tierra recupera la energía? Par la masse. Por la masa. Les astéroïdes, les météorites tombent en masse en ce moment. Los meteoritos caen en masa actualmente. Il n'y a que les militaires qui le savent. Tan solo los militares conocen esto. Les civils l'ignorent. Los civiles lo ignoran. Mais comme elle en reçoit de trop, pero como recibe demasiada, de temps en temps, elle en évacue. De vez en cuando la evacúa. Et qu'est-ce qui se passe? ¿Y qué es lo que ocurre? Qu'il y a un Popocatépetl. Popocatépetl. Ça vous dit quelque chose peut-être? Os suena igual, ¿no? En Indonésie, il y a 150 volcans en activité. En Indonesia hay 160 volcanes en actividad. Oh oui, mais c'est en Indonésie. Claro, pero eso es Indonesia, ¿no? Voyez donc que cet échange de masse. Veis pues que este intercambio de masa. Entre l'extérieur de la Terre et la Terre. Entre el exterior de la Tierra y la Tierra. Est simplement une compensation. Es sencillamente una compensación. De notre perte de potentiel. De nuestra pérdida de potencial. Alors quoi faire? ¿Qué hago pues? Il faut arrêter de penser. Hay que dejar de pensar. On peut pas. No podemos. Alors surveillez la bienveillance de votre pensée. Vigilad pues la benevolencia en vuestro pensamiento. À l'égard des autres. Hacia los demás. Avant de penser. Antes de pensar. Si c'est possible. Je si vois es que posible. Tout ce que je vous dis c'est 0-0. Veo que todo lo que os digo es 0-0. Parce qu'il y a marqué 0-0. Tenemos un 0-0 delante. Ça va vouloir dire aussi que le temps est terminé. Debe significar que el tiempo se ha acabado. Vous avez posé une seule question. Solo has hecho una pregunta. Vous m'aviez dit que c'était une seule question. Una sola pregunta, okay. Je pense avoir essayé de répondre. Pienso haber intentado responder por lo menos. Mais surtout, pero surveillez vos pensées. Sobre todo, vigilad vuestros pensamientos. Apprenez comment ça marche. Aprended cómo funciona. Apprenez comment marche la nuit. Aprended cómo funciona lo de la noche. Comment les enfants doivent évoluer? De qué manera los niños deben evolucionar? N'attendez pas qu'ils aient 8 ans. No esperad a que cumplan 8 años. Apprenez-leur avant.
enseñárselo antes. Car à ce moment-là, les parents ont aussi une très grande responsabilité. Porque también los padres tienen una muy gran responsabilidad. Et je me remercie d'être là. Y os doy las gracias de estar aquí escuchándome. Et je remercie encore de m'avoir invité ici. Os agradezco de nuevo de haberme invitado a venir aquí. Dans ce public est quand même prédisposé. Este público está predispuesto. À l'écoute. A la escucha. Alors allez plus loin que l'écoute. Entonces ir más allá de la escucha. Renseignez-vous. Preguntaros, informaros. Faites ce qu'il faut. Haced lo que hay que hacer. Et vous verrez que on peut tout changer. Y veréis que lo podemos cambiar todo. On peut arrêter un volcan. Podemos parar un volcán. Arrêter un tifón. Podemos parar un tifón. On peut arrêter n'importe quoi. Podemos parar lo que sea. Par la bienveillance de notre pensée à l'égard des autres. Con la benevolencia de nuestro pensamiento hacia los demás. Un grand merci. Y muchas gracias. Merci. Invitamos a Javier Benítez y a Cristina González para hacer entrega del reconocimiento y el agradecimiento por acompañarnos a Jean-Pierre Garnier y al padre Gerardo Guerra. Muchas gracias.